Le retour du Club des entrepreneurs consacré à la franchise. La franchise, un modèle plébiscité pour créer et développer son entreprise. Et on va s'intéresser plus spécialement au financement, à l'accompagnement avec vous, Franck Gimaret. Caisse d'épargne Rhône-Alpes, vous avez une très forte implication, et notamment sur tout ce qui est, bien sûr, financement, tant du point de vue des franchiseurs que des franchisés. Tout à fait. Nous accompagnons sur les deux volets, les franchiseurs et les franchisés. Le crédit est un élément clé, un acte fondateur. Une relation de confiance se crée entre le porteur du projet et la banque. Et du coup, eh bien, selon les plans de financement que nous avons évoqués, nous finançons, si c'est des fonds de commerce, etc. Mais nous accompagnons aussi dans la gestion des flux, ça c'est quand même important, de l'épargne, de la trésorerie, puisqu'une fois que le financement est fait, je dirais que c'est le début de l'aventure. Et après, voilà, le fameux financement du besoin en fonds de roulement. Tout à fait, voilà, la fameuse trésorerie. Après, au niveau de la Caisse d'épargne Rhône-Alpes, nous sommes un acteur local. Et notre rôle, c'est aussi de détecter, en fait, de suivre bien sûr les franchisés, franchiseurs installés, mais de détecter les futurs franchiseurs. Beaucoup ont déjà créé un premier établissement, veulent en créer un deuxième, posent le problème du troisième. Très rapidement, et il manque des fonds propres, donc ils se tournent vers la franchise. Notre rôle, c'est de les répertorier, de les monter au niveau national, à notre pôle franchise, et derrière, ils peuvent les conseiller dans l'aventure de la franchise, dans le cadre du développement, pour aller conquérir le territoire national. Alors, le fait que vous soyez un acteur local, c'est aussi ce qui permet de ne pas avoir à demander aussi de décision parisienne, j'ai envie de dire. Tout à fait. Pour déclencher des financements. Tout à fait. La décision se fait en niveau local, mais notre franchiseur qui se développe bénéficie d'une force d'un réseau national et l'ancrage et les compétences d'un réseau local. Alors, en termes de moyens financiers, bon, par rapport à ce qu'on disait, un tiers d'apport en propre, hein, de la personne, et puis deux tiers de financement. Ça veut dire qu'on peut avoir des financements qui se bouclent à combien au total? Si on essaie de vous donner une fourchette. Alors, le financement, la moyenne des financements, je ne sais pas si on a les chiffres, hein, mais ça peut quand même monter assez rapidement, parce que quand on veut avoir un concept, eh bien, le franchiseur impose un modèle. Donc, on a parlé, hein, des droits d'entrée, le droit au bail, etc. Donc après, effectivement, 30% me paraît bien, mais quand on sait que la franchise fonctionne, et c'est surtout quand le porteur a une expérience, là, on peut aller en dessous. Alors, si on doit donner un exemple, ça donne quoi, quoi? Il faut que j'ai quoi comme apport personnel? Il faut que pour se rendre compte, quoi. Ah, ben après, sur... excusez-moi, je ne sais pas. Parce que... Je veux dire, alors on peut prendre votre cas. Vous avez apporté combien au départ pour votre première expérience? Le départ, ça a été une reprise, hein, reprise d'un magasin qui périclitait. Et j'ai apporté... aux alentours de 20-30 000 sur 60 000, voilà parce que c'était le démarrage. Et ensuite, j'ai créé, et là j'ai été accompagnée, c'était la Caisse d'épargne d'ailleurs, hein, qui a été la première banque à m'accompagner sur la création des sites chaque année. Ça va dépendre beaucoup, je pense, aussi du secteur d'activité. Ça dépend du secteur d'activité, du profil du candidat à la franchise aussi, effectivement. Voilà. Par contre, cet apport, ça doit être de l'argent... disponible, on va dire. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'on a des investissements ou de l'immobilier qu'on peut prétendre. C'est vraiment de l'argent disponible qu'il faut. C'est le risque qu'on prend au départ, bien évidemment, et qu'on partage. Les activités, on n'a pas forcément besoin de droit au bail. Si on parle de l'agglomération lyonnaise, un droit au bail bien placé, ça peut coûter très cher. Oui, donc, tout à fait. Ça doit rentrer dans le bilan global de l'investissement à réaliser. Il y a certaines activités, dans des services à la personne, bon, essentiellement domicile, je crois, à des locaux en rez-de-chaussée commercial, mais ce n'est pas forcément le cas. Donc, on peut minimiser les coûts. Donc, la fourchette, on l'évoquait tout à l'heure, est très, très large d'investissement. Et il y a certains hôtels qui sont en franchise ou sont des investissements qui sont extrêmement lourds. Hein, donc, plusieurs centaines de milliers d'euros. Oui, voire millions. D'accord. Si on prend le cas de vous, LDLC, par exemple. Alors, aujourd'hui, on est sur des gros concepts côté LDLC, donc des surfaces de 200 m². Ce sont des investissements d'à peu près 350 000 euros hors stock.
Et là, on va tester un nouveau modèle sur Rouen. Et on essaie de limiter au maximum l'investissement. On devrait tenir dans les 150 000 euros. Donc, ça peut être très variable. L'apport en propre de votre part? L'apport en propre, non, on essaie de respecter cette règle des un tiers, deux tiers. D'accord. Voilà, sur 150 000, en général, on apporte 50 000 et on finance les 100 000 restants. D'accord. Et puis, vous insistiez aussi beaucoup sur l'aspect accompagnement au-delà du seul financement en tant que tel, mais c'est aussi un conseil que vous apportez parce que vous connaissez bien la franchise. On connaît la franchise. Il peut avoir des activités qui peuvent être saisonnières, donc avoir des besoins ponctuels de trésorerie. Et du coup, on va être là, nous, banquiers, pour accompagner le porteur du projet et de voir dans son prévisionnel de trésorerie s'il a bien anticipé, par exemple, ses décalages. Et aussi, il y a l'amorçage de l'activité. Donc ça, il faut bien aussi le compter dans le prévisionnel. Marc David, en termes de financement, on trouve toujours facilement Plus facilement en franchise qu'en création traditionnelle. Hein. À partir du moment, je le répète encore, où le réseau qui aura pu être aussi identifié, analysé par les établissements bancaires, sa crédibilité, sa rentabilité. Mais évidemment, on trouve plus facilement du financement en franchise que traditionnellement. Mais c'est, comme tout à l'heure, hein, ce n'est pas pour autant que je vais arriver, je suis futur franchisé, monsieur le banquier, prêtez-moi de l'argent. Il y a quand même un certain nombre d'étapes à passer, les éléments d'analyse de marché, de compte de résultats prévisionnels à fournir avant d'aller chez le banquier et demander son financement. Et à contrario, ce n'est pas parce qu'on aura, on aura un apport personnel qu'on pourra devenir forcément un bon franchisé. Il y a aussi une rencontre humaine et une adéquation homme-projet qui doit être forte. Et vous, il vous arrive par exemple de dire, sur ce dossier, pardon, mais voilà, on ne le sent pas, ou il faut que vous revoyiez votre projet parce Tout à fait, oui, ça nous arrive, et là, on doit apporter le conseil quand on s'aperçoit qu'effectivement, il manque peut-être un peu d'apport par rapport au business model, ou peut-être que l'emplacement est jugé trop cher, on se doit d'apporter nos conseils. Nos conseils aussi en matière de garantie, on en a un peu évoqué tout à l'heure. Mais sur les franchiseurs, on les fait référencer au niveau de BPI et notre propre organisme de cautionnement, ce qui fait que dans le financement, ils peuvent du coup cautionner et limiter la caution personnelle du dirigeant. BPI, la Banque publique d'investissement. Tout à fait. Voilà. À votre époque, il n'y avait pas encore BPI. C'était Sofari, c'est à l'époque. caution. Ça fait très... Oui, c'était au zéro. C'était au zéro, d'accord. Voilà. Qui a pris la suite. Oui. Monsieur Yang, à votre niveau, en termes de financement, comment ça s'est passé? Je confirme ce qui a été dit précédemment. Donc, minimum un tiers d'apport, c'est nécessaire. Je me souviens de mes débuts. J'avais vendu mon appartement en région parisienne pour venir s'installer et investir dans mon première affaire. Et dans ma première affaire, et donc, ça a été un choix très important de ma vie. C'était quitte au double. Voilà. Et donc aujourd'hui, 8 ans après, je suis à la tête, avec mon associé, donc de 9 établissements. Et à l'époque, donc le banquier... Le banquier, alors à l'époque, Swishop démarrait dans le monde franchise. Et à Lyon, l'enseigne n'était pas connue. Et donc on a eu bien sûr quelques refus, mais on a aussi un ou deux accords, et ce qui nous a permis de nous installer. Finalement à Lyon, au centre-ville de Lyon. Et en termes d'apport, vous confirmez l'idée du un tiers, deux tiers Tout à fait. Et puis dans la restauration, la notion de l'emplacement est très importante. Et donc on avait privilégié les emplacements au centre-ville Presqu'île. Et finalement, c'est rue de la Barre, donc une des artères les plus importantes. Et donc on a payé très cher l'emplacement. Oui, voilà. Je confirme. La règle de Hilton, trois choses qui comptent. L'emplacement. L'emplacement, effectivement. Voilà. Mais aussi le bon franchiseur, en l'occurrence, aussi. aussi. Voilà. Alors, quand vous disiez l'importance de bien choisir son franchiseur, ça veut dire quoi? À quoi on mesure qu'on a en face de soi un bon franchiseur? Quelqu'un qui a déjà réussi, effectivement, mais... Alors, il y a 2000 réseaux. Si c'est une enseigne qui démarre. Alors, une enseigne qui démarre, alors c'est souvent des questions qu'on peut avoir. Alors, si on prend du début,
le conseil qu'on va donner à un candidat franchisé, si l'enseigne a plusieurs franchisés, c'est d'aller rencontrer d'autres franchisés pour savoir comment ça se passe. Mmh. Ensuite, on est dans une relation d'affaires avec un contrat, le contrat de franchise LDIP, on ne va pas rentrer dans les notions techniques, mais là aussi, on a un certain nombre d'informations qui, pour le franchisé, va pouvoir donner des axes de travail pour savoir si c'est une enseigne vers laquelle je peux aller, tout en me faisant toujours accompagner. Hein. C'est un conseil que nous, à la CCI, on donne régulièrement. Si c'est un jeune réseau, oui, le risque est différent, hein, puisque le jeune réseau, en général, on va conseiller à un réseau qui va démarrer d'avoir au moins 2 à 3 points de vente pilotes pour tester le concept. Et à partir du moment où ce concept a été testé, il va se lancer en franchise. On a de certains nombres qui seront présents au forum, qui ont 3-4 unités. Et là, bien entendu, alors, pour le coup, le franchiseur, il va faire en sorte de chouchouter son premier franchisé. Donc, si c'est un bon chef d'entreprise, un bon franchiseur, il va faire en sorte que tout se passe bien pour que ça réussisse, parce que ce premier franchisé, ce sera l'ambassadeur à terme de tous les autres candidats qui viendront le rencontrer. Donc là, faut pas se rater. Alors, vous confirmez, vous avez démarré avec Essentiel et Domicile, par exemple. Avec Essentiel et Domicile, il y a un an. Effectivement, il y a une proximité avec le franchiseur que l'on n'a pas quand on a un réseau déjà qui est largement étayé. Pour autant, c'est ce que j'ai connu aussi avec Citron Vert, parce que quand j'ai démarré, il y avait une trentaine de sites. Mais c'est une aventure formidable quand on peut vivre cela avec le franchiseur. On participe, bien évidemment, de manière plus proche à son développement. Et l'idée de voir les autres franchisés, comment ça se passe, etc., vous l'avez... Je l'ai vécu aussi, c'est-à-dire que quand j'ai intégré le réseau de franchise, avant même de l'intégrer, je suis allée rencontrer des franchisés, des réseaux, plusieurs réseaux d'ailleurs. Ça veut dire que vous en avez vu d'autres ou vous avez dit je ne le sens pas, j'y vais pas. Avant d'entrer dans la franchise et dans une enseigne telle que Citron Vert ou Essentiel et Domicile, et plutôt Citron Vert, je suis allée rencontrer d'autres réseaux pour effectivement me donner une idée de ce qu'était le monde de la franchise, mais aussi de me donner une idée de qui était à la tête de ces réseaux. Je le disais tout à l'heure, c'est très important, mais il faut qu'il y ait un véritable partage de valeurs et être en capacité de pouvoir se projeter dans l'avenir. Vous-même, vous travaillez avec beaucoup de réseaux en franchise. Est-ce qu'il y en a avec qui vous ne sentez pas d'affinité Non, on ne peut pas vraiment dire ça, mais ce que l'on voit aussi, c'est qu'au niveau des franchiseurs, il peut y avoir des éléments qui sont bons et qui risquent de partir de l'entreprise. Et le principe de la franchise permet à ces futurs créateurs de rester dans le groupe, puisqu'ils portent les valeurs, et d'aller vivre leur aventure entrepreneuriale tout en restant dans le groupe. Donc du coup, on augmente le cercle de compétences. Mais il faut porter les mêmes valeurs, ça c'est important. Alors, en termes de financement, vous intervenez des deux côtés, j'ai envie de dire, à la fois côté franchiseur, côté franchisé. Comment ça se passe côté franchisé? Côté franchisé, après, ça va dépendre donc du plan de financement. Nous allons, selon la demande, ce qu'on a à faire, ce qu'on a à financer, on peut avoir du véhicule, on peut avoir des fonds de commerce, du matériel, etc. On va, avec le comptable, selon le prévisionnel, faire une proposition pour se caler aux amortissements comptables. Et là, est-ce qu'il arrive parfois où vous disiez, non, on ne peut pas parce que vous allez être trop endetté? Tout à fait, puisque nous, généralement, on fait des financements sur 7 ans et le but quand même, c'est que le futur chef d'entreprise vive de son activité. Et quand on voit qu'au niveau de la capacité de résistance, on va être trop fin, c'est quand même pas le but, parce qu'il va développer son affaire, c'est d'en vivre et donc on se doit de le conseiller et de l'avertir. Monsieur Yang, vous évoquiez tout à l'heure, vous disiez... quand vous avez vendu votre appartement, vous êtes venu ici pour ouvrir ces magasins. C'était vraiment un quitte ou double? Tout à fait. C'était un choix très important. Donc, j'étais parisien pendant presque 20 ans. Et voilà. Donc, je rejoignais l'enseigne Sweetshop pour venir à Lyon parce qu'il y avait une opportunité. Et donc, on a tout laissé à Paris pour venir s'installer à Lyon. Et donc aujourd'hui, je suis bien content d'être lyonnais. Et qu'est-ce qui fait que vous y croyez à l'époque? Vous sentiez bien le marché? Tout à fait, comme monsieur disait tout à l'heure, donc il faut faire son marché. Et donc on a cherché à l'époque au salon de franchise, en fréquenté depuis quelques années, pour sentir un petit peu le vent dans quel
sans sa tournée et voir les nouveaux concepts qui arrivaient chaque année. Et puis, voilà, donc on a... ce qui nous avait convaincus à l'époque, c'était le sérieux de l'enseigne et puis la qualité des personnes qui étaient à la tête de réseau. Et donc, on avait fait notre marché à nous et le franchiseur, il cherchait des profils de franchisés propres à eux. Donc, on s'est rencontrés et puis ça s'est fait. Et puis, voilà. Alors, je voudrais qu'on évoque... Il y a des cas différents. Il y a ceux qui sont plurifranchisés comme vous, à plusieurs enseignes, ceux qui n'ont qu'une seule enseigne, mais qui ont plusieurs magasins. Qu'est-ce qui fait que vous ne vouliez pas être uniquement, j'ai envie de dire, dépendant de Sushi Shop et ou parce que ça marchait bien, vous avez dit, mais on peut aller sur d'autres marques, d'autres enseignes. C'est la suite de développement logique de notre développement. Parce que Sushi Shop, il y a des contraintes et c'était des zones qui sont limitées. Il y a en termes d'installation, donc il y a des choix de villes, de populations, de zones de chalandise. Et donc aussi, alors pourquoi on a cherché d'autres, on s'est rejoint à d'autres enseignes, c'est parce que Sushi Shop, c'était leader dans le monde de restauration rapide. Mmh. Donc on a cherché à compléter, donc c'est à la suite de ça, Bistrot Région, c'est dans la restauration traditionnelle. Donc, ça nous permet d'avoir un pied dans un monde à part, autre que Sushi Shop, qui est dans la restauration rapide. Et puis, cette année, donc, Negasi, c'est un concept nouveau qui s'est opposé sur la bière, musique et burger. Et donc, différent de ça, pour nous, en tant que franchisés, c'est aussi répartir nos activités, limiter les risques de ce fait-là. Très bien. Anne Cro, vous aussi, donc l'idée, c'était pas d'avoir trop de points de vente citron vert en disant, bon, allez, je m'intéresse à la franchise, donc je cherche une autre enseigne. Tout à fait. C'est important de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Un risque aussi de déperdition du savoir-faire quand on a trop, effectivement, de sites, parce qu'on s'éloigne du concept, on s'éloigne du réseau, c'est le risque. Et deuxième chose, avec une envie de continuer à développer, d'aller vers autre chose qui faisait sens. Le service à la personne faisait sens aussi pour moi. Et c'est, je dirais, un projet peut-être plus personnel et plus familial qui me permet aussi d'accompagner des jeunes dans la transmission à ce niveau-là de l'entreprise. Et l'idée, quand on est pluri-enseigne, pluri-franchisé, c'est on reste sur une même zone mais avec plusieurs marques, alors que vous, par exemple, multi-franchisé LDLC, vous avez une seule enseigne, mais vous allez sur un bassin plus large. Oui, alors je rejoins quand même l'avis de mes collègues. Le fait de répartir le risque aussi entre plusieurs enseignes est quand même quelque chose d'important, parce que les enseignes ont un cycle de vie aussi. Donc c'est bien de pouvoir anticiper et pas forcément de subir. Donc vous, pour l'instant, vous êtes multi-franchisé uniquement LDLC, mais vous pourriez être pluri-franchisé un jour ? Ah oui, tout à fait. Bien, à l'origine, c'était notre cas, puisqu'on était franchisé Orange et on allait chercher LDLC. Et aujourd'hui, en fait, on a eu un temps d'adaptation, d'apprentissage du métier nécessaire. Aujourd'hui, on a la maturité pour aller chercher d'autres projets, ce qu'on est en train de faire avec d'autres franchiseurs et sur d'autres secteurs d'activité. Oui, tout à fait. La seule limite qu'on peut avoir à ça, si je puis me permettre, c'est qu'effectivement, que contractuellement, ce soit permis en fait d'être plurifranchisé, puisque parfois on peut avoir dans les contrats de franchise en fait une interdiction d'exercer, c'est une clause de non-concurrence contractuelle, on va dire, donc qui interdit d'aller travailler avec d'autres enseignes, même sur des secteurs. Même si c'est pas des secteurs identiques. Voilà, il faut regarder le contrat. Alors, je connais pas par cœur le contrat de LDLC, donc peut-être qu'il le permet sans problème. Mais en tout cas, ce qui est frappant dans vos expériences, et vous l'avez souligné, c'est un point fort, et je pense que c'est un point de réussite aussi, c'est que quand on passe au stade de multi ou plurifranchisé, on passe à un autre stade en termes d'entrepreneur. On passe de l'entrepreneur opérationnel, bien dans son point de vente, à un entrepreneur multisite, donc il doit savoir s'entourer, il doit savoir avoir des seconds, il doit savoir se démultiplier, et la notion géographique est primordiale quand même dans la réussite. C'est-à-dire tous, vous êtes quand même sur quelque chose qui est à moins de 2 heures d'accessibilité rapide. Et ça, c'est un facteur important dans le cadre d'un développement comme ça de plusieurs points de vente dans des métiers en plus divers. Tout à fait. Et puis ce qu'on voit souvent aussi, c'est que les franchiseurs, au bout d'un moment, n'ont pas envie d'avoir
des franchisés qui aient 9, 10, 15, 20 magasins. Alors, c'est un peu contradictoire. C'est vrai que les franchiseurs ont vraiment une forte appétence pour ce type de profil, puisque ça va souvent être des serial entrepreneurs, donc des gens sérieux qui vont investir dans la marque. Donc, ils aiment les multi-plurifranchisés, ils les aiment beaucoup. Mais, notamment quand on est en multi-franchisé, on risque d'avoir quelqu'un qui devient un peu fort au sein du réseau, un baron en quelque sorte, qui va passer de 5, 10, 15 points de vente. Et on a eu, dans l'histoire de la franchise, des cas de renversement, c'est-à-dire des multi-franchisés qui prenaient le pouvoir, c'est-à-dire renversaient le franchiseur, lui rachetaient la marque, parce qu'ils étaient devenus tellement forts et tellement importants dans le réseau que c'était eux qui faisaient la loi. Donc très souvent, les franchiseurs régulent, on va dire, le nombre de points de vente. De manière contractuelle, ou plutôt, je dirais... De la même façon qu'une entreprise classique, on dit souvent, on essaye de faire en sorte de ne pas avoir un client qui représente trop de son chiffre d'affaires. Voilà. On est un petit peu, effectivement, on est un petit peu dans le même système, hein, avec ici aussi, le franchiseur doit veiller aussi, il doit adapter, hein, quand on parlait de réglementation, il doit adapter son contrat en fonction, hein, aussi, c'est quelque chose d'important. Il évolue le contrat. Le contrat doit évoluer, hein, et doit anticiper. Hein. Le franchiseur a de sa particulier, c'est qu'il a entre ses mains le devenir de X dizaines de franchisés qui, au quotidien, comptent sur le franchiseur, sur lui, pour son développement, pour gagner de l'argent, pour y aller. Il doit aussi mener son bateau. Et chacun des... ce n'est pas une masse de franchisés qu'on pilote, c'est autant d'individualités. Et en cela, il doit savoir bien gérer. Et puis, quand il y a un baron au sein d'un réseau, les autres peuvent se sentir un peu petits, un peu écrasés. C'est un dépilotage très fin. On arrive bientôt au terme de cette émission. Je voudrais qu'on dise un mot de l'action de la Fédération française de la franchise. Un rôle de quoi de... Alors, la fédération. De régulateur de... Oui, c'est, la fédération a vraiment un rôle de régulateur et puis, je dirais, de déontologique aussi. La franchise, en fait, est un secteur d'activité qui n'est pas réglementé en tant que tel. On n'a pas un droit de la franchise qui existe. On a le droit des contrats, le droit du travail, mais on n'a pas un droit de la franchise. Et donc, la fédération a vraiment ce rôle-là. Elle a notamment. Énormément participé au code de déontologie européen, qui aujourd'hui fait vraiment référence pour tout ce qui est les droits et les devoirs du franchiseur, mais aussi du franchisé. Donc c'est vraiment aujourd'hui un organe régulateur. C'est aussi une référence, on va dire, puisque référence pour les franchiseurs, puisque ceux qui sont adhérents à la FFF jouent le jeu, je dirais, de la transparence par rapport à un certain nombre de critères. Et puis aussi, c'est un collège des experts, dont j'ai la chance de faire partie, qui est un ensemble de professionnels, en fait, qui vont réfléchir et faire avancer aussi la franchise dans les différents secteurs de conseil que sont le droit, la comptabilité et bien d'autres, la communication, bien d'autres encore. Voilà. Et donc faire le ménage si jamais il y a des... Si besoin est, il peut y avoir des interventions. Alors, ce n'est pas la police, hein, ce n'est pas la police de la franchise, soyons clairs, mais il peut y avoir des besoins de régulation et la fédération a pleinement son rôle à jouer là-dedans. Un mot chacun, oui, on ne l'a pas évoqué, par rapport à votre franchiseur, vous reversez, c'est quoi, une part de votre chiffre d'affaires, des royalties, une redevance. Voilà. Sur le chiffre d'affaires, tout à fait. Qui est de quel ordre, par exemple, chez LDLC? Qui est de 3%. 3%, d'accord. Chez Sushi Shop? Selon l'enseigne, ça varie plus ou moins entre 5 et 7. On va dire c'est ça, on est près de 4 et 6. La moyenne nationale est aux environs de 5% pour les redevances, et puis il y a souvent 2% en plus pour la communication, pour la publicitaire. Voilà, ou participer à la communication nationale de l'enseigne. L'ensemble de la marque, de l'enseigne. Exactement. Très bien. Eric Monget, vous allez nous donner quelques infos pour finir sur concernant la franchise que Flash Info nous a donné ces derniers temps. Merci pour illustrer tout ce qui a été dit ce soir. On peut citer une entreprise dans l'intérim qui illustre toujours cette puissance de développement avec l'implantation de nouvelles agences. Donc c'est la société Temporis qui travaille sur la partie intérim, qui compte maintenant 150 agences en France avec pas loin de 100 franchisés. Dans un autre secteur, la boulangerie, on voit arriver à Lyon une nouvelle enseigne qui s'appelle la Micaline. Qui investit sur une implantation stratégique Place Bellecour. Donc c'est, je pense, un investissement qui doit être assez conséquent. C'est quand même une enseigne qui compte plus de 240 magasins en France pour employer 2200 personnes. C'est quand même assez
important. Enfin, on peut citer une entreprise donc de chez nous, enfin de notre proche banlieue, donc l'entreprise Mondial Tissu, qui elle souhaite développer aussi se développer à travers un projet de magasin en franchise, avec des objectifs d'ouverture de points de vente qui se mettent en place de façon très concrète. Voilà. Très bien. Merci beaucoup, Éric Monget. À chacun, en 10 secondes, si vous aviez une bonne raison à donner à quelqu'un qui a envie de se lancer dans la franchise, qu'est-ce que vous lui diriez pour le convaincre d'y aller ? Je dirais que c'est un cadre sécurisant et effectivement très riche, avec une multitude de projets. Et je pense que chacun peut trouver son compte dans la multitude d'enseignes qui sont disponibles. D'accord. Monsieur Yang ? Alors, je dirais bien faire son marché et visiter les anciens franchisés existants de l'enseigne. C'est très important. Voilà. Merci. Franck Gibaret, le point de vue du banquier, j'ai envie de dire. Voilà, capitaliser déjà sur une expérience professionnelle réussie et du coup aller sur un partenariat gagnant-gagnant. Donc je dirais un slogan, franchisez-vous. Anne Crow. Bah, une véritable aventure humaine et puis un moyen aussi de s'épanouir en tant que chef d'entreprise. Très bien. Olga Romulus. Savoir s'entourer, comme tout bon chef d'entreprise. Savoir s'entourer d'un bon franchiseur, d'un bon comptable, d'un bon avocat. Un bon banquier. Marc David, le mot de la fin. Il faut venir au Forum Franchise le 4 octobre prochain, bien entendu. Et puis tout ce qu'on a dit ce soir sera concentré en une journée. Et allez sur www.lyon-franchise.com pour obtenir son badge. Très bien. Eh bien, on vous donne tous rendez-vous donc forcément le 4 octobre à la Cité internationale pour cette 10e édition du Forum de la franchise. Merci à vous tous et vous toutes. On avait respecté la parité ce soir d'avoir participé à ce Club des entrepreneurs. Merci, au revoir. Merci. Merci.